Épisode 9, le successeur de Nakamoto, Gavin Andresen. Gavin Andresen est l'un des principaux membres de l'équipe de développement du Bitcoin et l'un des rares à avoir échangé par email avec Satoshi Nakamoto avant qu'il ne disparaisse. Gavin s'intéressa au Bitcoin dès 2010. Il commença à proposer des algorithmes à Nakamoto afin d'optimiser le système de base du Bitcoin. Et Nakamoto a progressivement commencé à faire confiance au code de Gavin. Un jour, Nakamoto a demandé à Gavin s'il pouvait inscrire son adresse email sur la page d'accueil de Bitcoin. Et ce dernier a naturellement accepté. Et après que Nakamoto se soit retiré dans les coulisses, Gavin Andresen est ainsi devenu un chef de file de la communauté Bitcoin. C'est alors que Gavin a formé l'équipe de développement principale du système Bitcoin. S'efforçant de corriger les failles du code de Bitcoin et d'améliorer la stabilité du logiciel. En 2012, Gavin crée la Bitcoin Foundation, une organisation à but non lucratif. Le succès de Bitcoin est principalement dû aux contributions remarquables de Gavin Andresen et de son équipe. C'est tout pour aujourd'hui, alors abonnez-vous vite pour découvrir la suite de l'aventure incroyable du Bitcoin et de la blockchain. À bientôt !